Bataille pour délivrer pays, pas jamais facile, peuple haïtien. Liberté, yon peuple qui a souffri, en bas yon groupe de monde qui a intérêt personnel seulement, pas jamais facile. Les gagnants, marron là-dedans. Les gagnants, prison là-dedans. Les gagnants, mourir là-dedans. N'importe bagaille capable d'arriver dans la bataille pour défendre la majorité. Il faut attendre avec toute bagaille. Il faut préparer pour n'importe bagaille. Parce que faut qu'on connaît que un groupe de monde, eux-mêmes, l'esprit basé sur faire l'argent par n'importe qui moyen. La vie peuple ça, qui a fait l'argent sur de l'an, li pa représente yon pipe tabac pou yo. Parce que yon même yon gon green bagay ki yon ren tête yon comme service. Organise yon, pou yon mette petit yon, madame yon, à l'extérieur pays. Ça veut dire que dans l'autre pays. Et puis masse peuple la, ap koupi dans la misère, dans la souffrance, dans la calamité, ap kouri kite Haïti, ale Brésil, Chili, la Guyane française, la Martinique, Bahamas, la République dominicaine, Porto Rico. N'ap nuit moun toute la sainte journée. C'est yon qui fait que n'ap courir qui te payant. Yon force de que payant pas gen espoir pour vous. Yon met ton condition côté que ou est pas gen espoir pour vous du tout. Yon faut conscient que pas gen espoir pour vous. Yon faut dit comme ça que pays ou pas vous rien. Yon fait quelque part ou même critiquer propre tête ou même. Et que ouais, présence dans pays a son mal que lié. Et mais ou apprend nous. Brillez par absence dans le pays. Yo fait ou penser avec tout bagay. Yo travaille le mental ou. Yo travaille penser ou. Yo travaille. Yo imagine les capacités qu'on gagne. Mais justement, yo met dans une situation extrêmement difficile. Côté que capacité ou pour ta réfléchir. Yo bagay comme si t'as dit pour aller à long terme, faut réflexion pour demain, dans l'année pour venir ou du moins pour 25 ans, yo limiter ça complètement ou du moins yo disparaître li. Peuple haïtien. Jodi an, nous exactement pardon, 18 novembre 2022. 18 novembre 2022. son date, nous avons environ 5 années depuis nous-mêmes comme peuple. Nous pouvons jamais fêter fête ça dans calme, dans sérénité, dans la paix. Journée ça yo ta supposé journée de réflexion. Historien yo ta supposé chiton côté puis a recevoir comme si jeune étudiant yo jeune ti moun qui dans l'école classique yo pour prendre temps de tel professeur intel professeur sciences sociales tel bagay comme si de moun qui a réfléchi pays, qui a pensé pour demain, qui a pensé pour l'avenir en général. Haïti nous pas ça. 18 novembre 2022, jusqu'à côté de ma parole avec nous là, si moun peut rentrer l'école dans le pays d'Haïti. Si moun peut rentrer l'école en Haïti. Si vous parlez qui osait dire la voie petite l'école, avec un groupe moun ki dit tout écrit non en papier pour peut-être ou avoir identifié le nous fin tout yel là yon pays gon groupe moun qui fait politique avec éducation à nos pays et bien justement ou gon facilité ou même comme jeune qui envie faire politique autrement par rapport avec ça qu'a fait dans les Haïtiens, ou qu'on facilite pour que ou identifier ennemi société ça. Ou qu'on facilite pour que ou identifier ennemi société ça. Parce que ça qu'a passé là, peuple haïtien, moi dis nous honnêtement, c'est un plan qui calculé, qui bien mesuré, cap exécuté pour le moment.
Il y a tant de résultats dans 15 ans, dans 20 ans encore. Parce que c'est Timoun ça qui gagne, Timoun ça qui gagne 5 ans pour le moment. Il a gâché l'avenir, il a fait au pas qu'on lit. Il a sauté, il a préparé une génération qui pour spécialiser yo dans boulet caoutchouc seulement. Dans kembe zam dans ghetto seulement. Dans assassiner moun seulement. Dans faire manifestation seulement. Dans détruire caractère moun seulement, faire manifestation tout partout dans le pays d'Haïti seulement. Gon génération qui a préparé pour ça et qui est-ce qui a préparé? C'est des Syriens, Libanais, Palestiniens, une équipe ravette criminelle qui pas gagné pour avec Haïti, qui de connivence avec des politiciens haïtiens qui travaillent pour disparaître la société haïtienne définitivement. Parce que ravette criminelle, oligarque corrompu, ils rentrent chaque grand politicien dans un circuit. Côté que, ils montrent que, ou même avec famille, ou une possibilité pour vivre bien dans le même pays que des petites mouins avec madame Map vive. Faire femme ou vivre là. Et les bonnes opportunités. Li apprennent nous qui j'ai pour voler gros l'argent. Leur voler 100 000, li même li voler 100 millions. Ou balle opportunité. Ou aider le voter des lois. Ou aider le bloquer budget. Pour être capable de négocier ensemble avec elle. Ou aider le craser comme si nous avions une séance ratification au premier ministre. Pour être capable de négocier ensemble avec elle. Pour être capable de sauver 100 000 ou même. Pour qu'elle fasse 5 millions ou 100 millions. Non, 6 mois pour le ministre pour le passer sans que le pas une convocation dans le Parlement. Yo fait des politiciens, des sénateurs, des députés fait travail ça pour détruire la nation ça. Par conséquent, c'est nous-mêmes qui votons. C'est nous-mêmes qui devons faire campagne, faire nos promesses de campagne, expliquez-nous, dis-nous ça que vous gagnez dans la tête pour la commune, pour le département quelconque. Pour payer en général. Et puis, lorsque vous avez arrivé dans le Parlement, séance pas qu'à faire. Le président convoque en séance à l'extraordinaire, il n'est pas qu'à faire. Mais automatiquement, Joël Dib, Pacha Vob, Dimitri Vob, Reginald Boulos, automatiquement, criminel ça convoque en séance, le réaliser avec autant de facilité. Peuple haïtien, ça veut dire que je dis, hein, nous-mêmes comme peuple, nous avons un choix pour que nous fassions. Un choix pour que nous défendions tête nous, par n'importe qui moyen, par rapport avec un groupe sensé, un groupe criminel, un groupe sanguiné, sans froid ni loi, un groupe reste avec, qui est dans la politique, qui défend l'intérêt, un groupe oligarque corrompu, qui prend un système, qui établit un système pesé sous ses. En train de payer pour détruire le peuple ça. M'a dit non. Assumer responsabilité non. Goumen, pour nous détecter nous, saute ça qui nous trouve là. Moi-même, il faut bête. Quand parle avec nous là, il y a à peine saute attaquer la caille. Il y a à peine saute attaquer la caille. Ok? Côté que nous, à vivre. Nèg débarqué. Dans l'espace là, craser ses reports, rentrer, pénétrer l'espace là, aller dans la chambre principale pour regarder si vous jouez moi-même qui parle avec nous là. Ça veut dire que, après mon Dieu dans le ciel là, avec toutes les forces de la nature, si ce n'est pas Dieu même, avec tout même qui a prié pour nous, nous te capable là jodi a si nous pas respecter principe si nous pas marcher selon façon pour marcher sous ligne que deux marcher nous te capable là jodi a mais comme nous sénégalais dehors petit paysan nous font choix pour mener un combat nous connait qui combat qui n'a mener nous connaît que si moun pas rentrer dans gendarme nous prend responsabilité pour nous fouler béton, pour nous mettre pied dans la terre, pour nous mettre canson dans la terre, pour nous mettre botte dans pied nous, pour nous attaquer criminels dans la dimension pour nous attaquer. Je salue l'ancienne première dame,
Madame Martine Moïse. Ancienne première dame nan, qui c'est Madame Martine Moïse, débarqué dans le pays, la Suisse, gros déclaration, en pile parole parlée, les oligarques corrompus tremblent les couffes et bois, communauté internationale là, joue une parle tout, la classe politique haïtienne, yon rabouré complètement. Martine Moïse, maman, tout paysan yo, m'bat bravo pour vous. Ah oui, m'bat bravo pour vous, la première dame, ou fait fierté, chaque grand paysan, ou montrer que, ou son paysan avec fierté, ou montrer que, ou son paysan, justement, qui gagne un caractère, qui connaît que, ou même avec mari ou, t'es initié nous dans une bataille, et que nous perdu la vie nous, ou tenté assassiner ou perdu mari ou perdu président, pays perdu président, m'ont dit ou pas baisser les bras, ou ap continuer, ou ap siguer, adelante. Madame la première dame, m'a salué ou pour courage, m'a salué ou pour conviction, pour détermination, parce qu'on dit ou pas baisser les bras. Et moi-même c'est moun sa yo que marche ensemble avec yo. M'a dit merci, merci avec Madame Martine Moïse, merci avec famille ça qui te mette jeune femme ça sous pied que je venais Moïse te prend pour mener le ballon dans Port-au-Prince. Aïe, c'est femme, nous pourrons parler qui chose. Docteur Claude Joseph, parlant pile causé, il y a un ancien député dans Wanamet qui parlait gros, gros causé, qui fait gros déclaration, qui nous parle partager ensemble avec vous. N'a pas content émission ça. Partagez seulement. Et puis, like, abonnez si vous pouvez abonner. Tout d'abord, encore une fois, m'a dit nous remenons en pile et avec un pile l'amour que nous sommes avec nous. Bonjour, bonsoir, c'est Zamino. Info Beto. Partagez, like, abonnez si vous pouvez abonner. En avance directement dans le dossier qui a dominé l'actualité à peuple haïtien. C'est exactement la situation politique du pays d'Haïti qui est dégradée complètement. Parce que son volonté réelle, c'est des planifications pour que nous arrivions là. Et bien, Madame Martine Moïse, tu as gagné une invitation dans le pays, la Suisse. Côté qu'elle t'a pas participé dans un forum international qui titrait Forum, Grand Forum Montana. Et Grand Forum Montana. C'est titre ça que, justement, forum nan gagné. Son forum international, côté que, où j'ai des personnalités tête chargée, dans l'espace ça, et bien justement, qu'a réfléchi sous monde là. Martine Moïse, c'est une catégorie ça, qui est liée. C'est comme si m'a dit, c'est monde qui a réfléchi au niveau mondial. M'a dit bravo. Avec ancienne première dame nan, qui c'est Madame Martine Moïse. En pile l'amour, et m'a dit ou pas pour contour, ancienne première dame. Bien que nous même dans Infobet, nous t'a content faut parler ensemble avec vous, mais espérons que vous avez des monde qui attendent ou qui attendent d'émission ça pour ou du moins qui proche qui attendent d'émission ça qui capable rapporter ou ça. Nous t'a remet faire un petit parler avec Madame Martine Moïse pour public ça, pour peuple ça qui remont en pile, famille amis plateforme ça qui c'est la plateforme YouTube Infobetoa qui remet en pile effectivement pour ta faire un petit tendez ou ancienne première dame me salue ou pour courage encore une fois m'a salué ancien premier ministre ancien ministre des affaires étrangères ancien chargé d'affaires qui c'est docteur Claude Joseph tout site ça pour professeur à l'université aux États-Unis d'Amérique jeune garçon et jeune politologue OK jeune garçon qui décider pour monter propre structure politique pour la jeunesse haïtienne pour que nous garder comment nous t'ava aider population haïtienne jeunesse haïtienne t'ava gagner un jeune parti politique qui inspire yo confiance pour que yo vinn suivre mouvement politique là pour que plus ou moins yo t'ava aider tête yo dans situation que yo comme peuple effectivement compatriotes moi yo cap tande m'cap garder là et jodi a pour dame nan qui c'est madame Martine Moïse fait un petit parler dans le pays la Turquie. Et que ça le dit extrêmement important, mais
n'a permettre moi ça parce que ça est extrêmement difficile et li urgent justement peuple haïtien nous gagnons et un audio qui est extrêmement important pour que nous tendions ensemble avec nous. C'est un ancien député, Wanamet, qui était consul d'Abon, sous même frontière-là. Qui était consul Santiago, en République Dominicaine. Qui était consul à plusieurs reprises. Son ancien, son personnage, qui sentit que le frustré, lui dévasté par rapport avec cri. Masse peuple ça qui a passé misère en Dominicanie. Monsieur dit que c'est sous frontière qu'elle a vive. Il dit Ariel Henry, dis un mot pour peuple ça. Dis un mot pour moun sa yo qui a vive douleur ça, calamité ça sous frontière la République Dominicaine. Dis un mot. Et monsieur explique des bagages qui est extrêmement dur peuple haïtien. L'homme tendel glo coulé dans yeux. Côté que député a dou consacré parce que l'habitude avec dominicain, li vive en Dominicanie, li consul en Dominicanie. Monsieur toujours consacré. Ça nous wè a, li poko rien devant ça qu'a fait là. Qui s'allier, ça n'a pas gardé dominicain a fait ici dans la rue dans la rue dans ce domaine. Monsieur dit ça pas rien du tout. Plutôt c'est ça seulement yo t'a fait yo. Ça pas de problème pour lui-même. Monsieur dit c'est malheureusement c'est haïtien qui travaille dans champ yo. Haïtien qui habite en province la Dominicanie, le Guadio, pour te bourrer dans l'espace là, yo pète courir, yo fizye yo, et puis yo pren yo, yo bourre yo dans trou. Et monsieur dit, yo fizye en pile haïtien, qui vive en province dominicaine, qui travaille dans le champ en Dominicanie, leur immigration débarque sur yo, yo pète courir, mais justement, il me faut qu'on est que donc bon faire nous entendre parce que ça c'est acte de oreilles nous pour nous pardon pour nous entendre lui li extrêmement important parce que ça dure en pile il dure en pile honnêtement et entendre l'ensemble avec moi parce que ça moi même pas capable pour comprendre jamais pas capable pour comprendre entendre ces députés qui t'a parlé avec pays qui t'a parlé avec nation parce que ça est vraiment trouvé que le difficile pour moi même pour me gueule pour compte moi et que pour ne pas attendre entendez ancien député à la Bainol c'est Luc Ner Joël ancien député Wanamet ancien consul en République Dominicaine à plusieurs reprises et c'est député qui était passé dans 49e législature là justement qui va parler ensemble avec nous qui va expliquer nous ça que haïti qui a ça mourir dans l'argent dominicain. Entendez, prêtez attention pendant quelques minutes. Entendez ça. M'a salué tout compatriote haïtien yo. Non moi-même c'est Luc Ner Noël ancien député de la 49e législature pour la circonscription de Wanamet. Mon ancien consul tout responsable consulat d'Haïti à Dabon, République Dominicaine pendant un an. Même tous anciens consuls encore, responsable section état civil au consulat d'Haïti à Santiago, République Dominicaine. Message ça m'a envoyé spécialement pour Premier ministre Ariel Henry et associé, c'est-à-dire l'autre autorité qui subalterne à lui-même. Nous t'avons eu tout le temps de voir cela. D'ailleurs, ce n'est pas qu'importe qui a parlé. Son ancien député qui a parlé. Son ancien diplomate qui a parlé tout. Je n'ai pas gagné dans le menti pour me dire que je dois dire vérité. Je fais tout le monde connaître que c'est dans la frontière que je vis. PM, il y a un grave Saint-Domingue haïtien. L'homme qui a un grave, peut-être qu'il n'y a pas d'informer qu'il y a un grave. Vous tendez. Ça qui passe à Haïti dans la rue.
Mais ça, yon quand dans Fika, dans Jardin, dans Baila, depuis l'immigration, chef barré, dans la gère, tout ouye, c'est Luc Nenouel encore. Ancien député, ancien consul, qui a parlé. Ça, yon barré dans la gère, tout ouye, moun pa konne yo. Me rappelle, ancien grand moun yo te kon parle m sa, pour que moi m'se moun wadam. En 1937, te ge sakte le coup de couteau, côté haïtien, dominicain ta point haïtien, voye l'en l'air, et puis prépare le couteau, pique l. Son bagay presque même façon qu'a passé là. Et c'est presque dans tout pays. Et ça, yo pas fait le même genre, pour qui en 1937, yo te fait libre, malgré moi, vin fait 19 ans. Après 1937, là, c'est-à-dire 1956. Mais son bagay, même j'ai tué Haïtien qui a fait pour le moment, qui m'a pas l'avoir là. Yo pas joué dans la rue aux yeux de journalistes, aux yeux du peuple tout remède. Puis yo barré yon dans la gêne dans Finca. Tout ça au barré, il paraît à la porte de yon. Yo tué tout. Et puis yo chargé à IGT. Gabon Ultra. Gabon Ultra, c'est un tout nouveau produit qui sort dans le laboratoire. Il est là pour combattre ça et les dysfonctionnements érectiles, ça veut dire pas camper dit tout. Il y a 15 capsules là-dedans. Il est fait pour prendre une capsule 30 minutes avant de faire bagain. Il y a ça, un dynamogène action rapide. Pas oublier qu'il est remplacé 3 produits Gabon parce qu'il est plus puissant. Ça qu'a fait pour le moment là, m'a dou là, pour le moment que m'a parlé avant là. Et me saisi tendez, me pas reconnaître Claude Joseph. C'est ça Claude Joseph qui lance son mot en faveur d'haïtiens, haïtiens yo. Qu'est-ce que cela veut dire? Côté politicien haïtien yo. Nous pas là pour nous faire pied nous. Monsieur Baye là pas qu'à marcher comme ça. Peuple a péri. Haïtien pareil nous, en danger l'autre bois. Yo pas tiré dans la rue, mais yo puis dans la forêt, en la fin car yo qui travaille là, yo barré, yo couru, tout ça qui paraît à la porte de la police ou bien Guadeloupe dominicain, yo figé tout. Wow. Et puis yo boté dans la machine à IGT. C'est ça qui a passé là, qu'on y a la République dominicaine. PM, excusez mes expressions, nous t'arrêtons, mais, ou changez figure d'épaule. C'est pas ni Cubain, ni Africain, ni Jamaïcain qui a commandé. C'est Haïtien qui a même ça à avoir commandé. Faut chercher une façon pour changer le fusil d'épaule pour attaquer. M'a pas dit c'est Goumbe ni c'est guerre. Mais il y a ce qu'on appelle la diplomatie. Nous avons une grande puissance, organisation internationale, OEA, l'ONU, même CARICOM. Qui coiffe nous, qui coiffe la République dominicaine tout. Il y a des plaintes qu'on capote. Là où arrive, il faut qu'on fasse non. Ce n'est pas question de ni rad d'autres ni bagaille. Mon grand monde 66 ans, je finis de vivre. Mais ça qui a passé l'autre de la frontière là, c'est grave. Sans autant de vivre, c'est 20%. Mais l'autre 80%, ça me dérange, la fête côté tuer Mounio. Pas banné, pas paquet. Nous, ça qui a passé là, c'est synonyme de 1937. Wow. Mais ils ont fait en l'autre version. Ils ont mis en couverture là-dedans, que 1937 pas connaît. Mais ça qui a passé là. Moi, je dis que, non, moi, quand c'est Luc Nenouel, ancien député, 49e législature, 2011-2015. Ancien consul, responsable consulat d'Haïti à Dabon, 2015-2016. Ancien responsable section état civil au consulat d'Haïti à Santiago, République dominicaine. 2016 à 2020. Premier ministre, c'est là pour profiter, nous pas faire la guerre. C'est pas un habitant qu'on s'accapare pas la voix. Son homme de loi, qui parle à vos anciens députés. Peuple a péri l'autre de la frontière. Ça, son bagage, indigné au monde. Peuple n'a pas qu'à vivre encore.
faut qu'à mettre pied ou foué bouche non mot pour qui façon que nous cassons haïtien yo que nous t'apprend yo vinn pilier yo fait des hangars tant que 10 janvier 12 janvier mettez yo mon doigt soit retiré peuple là faut qu'à non mot peuple péri sans nous couler franchement pour le moment là que ça t'a coûté maintenant soit 5 militaires moi si soit M16 qui pour nous même pour me faire un café avec elle, malgré que je préfère la diplomatie, oui. Mais je dis que je la frappe. Cherchez à informer toujours, il y a 12 jours qui a passé. Merci beaucoup tout le monde. C'est triste. C'est extrêmement triste. C'est dur en pile. C'est dur en pile. Merci en pile, député Luc Ney Joël. C'est. Patissa Dieu en pile. Les révoltants. La frontière là, c'est grave. Sans autant de wap vivre, c'est 20%. Mais l'autre 80%, ça me dérange, la fête côté de tuer Mounio. Pas banné, pas paquet. Nous, ça qui a passé là, c'est synonyme de 1937. Mais ils font l'autre version. Ils mettent une couverture là-dedans que 1937 pas connaît. Mais ça qui a passé là. Je dis que, non moins que c'est Luc Noël, ancien député, 49e législature, 2011-2015, ancien consul, responsable consulat d'Haïti à Dabon, 2015-2016, ancien responsable section état civil au consulat d'Haïti à Santiago, République Dominicaine. 2017, 2016 à 2020. Premier ministre, c'est là pour profiter, nous ne pouvons pas faire la guerre. Ce n'est pas un habitant qu'on s'en parle avant. Ce sont hommes de loi qui parlent avant, anciens députés. Peuple a période de frontière. Ça, c'est un peu comme ça. Indigné au monde. Peuple n'a pas qu'à vivre encore. Faut qu'à mettre pied ou fouer bouche, non mot. Pour qui façon que nous cassons haïtiens, que nous t'apprenons, venez en pilier, faites des hangars, tant que 10 janvier, 12 janvier. Mettez-le, mon doigt soit retiré, peuple là. Faut qu'à non mot, peuple a péri. Sans nous couler. Franchement, pour le moment là, que ça t'a coûté maintenant. Soit 5 militaires, moi. Si j'ai un M16, qui pour nous même, pour nous faire un café avec elle, malgré que je préfère la diplomatie, oui. Mais, je dis que je la frappe. Cherchez à informer toujours, il y a 12 jours qui a passé. Merci beaucoup, tout le monde. Merci en pile, député. Merci pour le courage. Merci parce que vous décidez. Pour parler. Et c'est deuxième haïtien au senti qui campait, qui a parlé. Alors, le monde qui était passé dans l'État, autorité qui campait, qui a parlé, les gens qui l'a parlé là avec émotion, au senti qui sont patriotes qui a parlé. Après Dr. Claude Joseph, et où elle cite non Dr. Claude Joseph, justement, où est-ce qu'elle s'est indignée? Elle a vécu sous frontière. Elle a vécu sous frontière. Ou elle-même dit, si ces âmes pour t'apprendre, pour ta bataille, pour l'aider, Haïtiens sortir dans la situation, ça, il va nous dire pour le faire. Mais de fait, comme nous sommes en train de vivre là, nous pas besoin d'utiliser les âmes, nous pas réclamer tout. Nous pas vraiment capable de gommer avec la vie dominicaine. Ma capacité ça, y a un avion de guerre, un hélicoptère de guerre, nous pas gagné du tout. Peut-être si vous avez venu descendre à terre à mon côté nous t'apprenons au plus bas. Nous avons tout pareil, bah, nous net. Mais les faits, j'en ai là, nous pas pareil pour nous faire la guerre avec vous. Mais son bataille, pour nous faire. M'a dit député, ya, et merci en pile. Et moi, encourage à continuer supporter le mouvement Lok Frontier dans Wanamet. D'abord, supporter le mouvement Lok Frontier là. Parce que le mouvement Lok Frontier là,
la porter résultat. Et c'est une plus grosse frappe. Son bataille diplomatique, ses âmes pas nous qu'une gagner, nous capables d'utiliser pour mener un véritable combat ça. Peuple haïtien, je dis à m'abdi nous, à nous prendre responsabilité nous pour nous faire bataille ça avec monsieur yo définitivement. Ancienne première dame nan, qui c'est madame Martine Moïse parler, nous gagne de commentaires pour que nous fassions sur ça que ancienne première dame nan dit. Justement, mais tout d'abord, on fait un petit temps de l'ensemble avec nous encore. On fait un petit temps de l'ensemble avec nous encore. Et puis, pour que nous passions dans les commentaires. Pour nous commenter, pour nous comprendre et pour nous décortiquer pour vous. Position première dame dans le dernier temps, qui ça fait qu'elle gagne? Nous allons chercher à comprendre qui ça fait qu'elle gagne. Position ça, du moins, sorte ça qu'elle fait. Qui ça gagne derrière? Sorte ça qu'elle fait là. Mais tout d'abord, je félicite et remercie l'ancienne première dame qui est madame Martine Moïse. Parce que son monde qui a courage et qui n'a pas peur. Après ça, monde ça se prend là. Soit elle capable de camper toujours pour la parler par le pays, pour défendre le peuple, défendre les paysans. C'est que monde ça, c'est des monde qui aiment Haïti. Et qui a la vie pour Haïti. En entendant l'ancienne première dame qui est madame Martine Moïse, ensemble avec elle, pendant 2-3 minutes, après ça, nous allons rentrer dans l'espace commentaire là, ensemble avec vous. Si vous attendez là, dites-moi vous attendez dans l'espace commentaire là, et puis vous like tout d'abord, en même temps, ou tout partagez. Dites-moi vous attendez, et puis faites reste pour compte. Prenez responsabilité. Ancienne première dame de la République d'Haïti, madame Martine Moïse, vous avez la parole. C'est le moment pour que nous faut attendre en cette voie d'amener. Exactement. Présentable, désigné lors d'élection au suffrage universel. Dans cette première partie du 21e siècle, la démocratie est menacée par ceux qui refusent d'accepter les résultats d'élection s'ils ne sont pas les gagnants. Les oligarques globalistes corrompus, maîtres de l'instabilité politique pour protéger leur monopole. Les accords de sécurité et de frais compagnies privées de sécurité échappent au contrôle des États. Les officiels de puissants gouvernements étrangers voulant créer la dynastie riche. Jovenel Moïse a gagné les élections présidentielles d'Haïti de 2015-2016. Ceux qui refusent d'accepter les résultats ne sont pas gagnants ont réussi avec violence et complicité internationale à faire annuler les résultats. Ils ont ensuite installé un des leurs, président provisoire, espérant obtenir des résultats différents. Ces négationnistes ont organisé de nouvelles élections en 2016 et 2017 avec leur propre président de conseil électoral. Encore une fois, le peuple a voté Jovenel Moïse. À cause de cette pression populaire, incapable d'annuler encore une fois les résultats des élections, ce n'est pas qu'ils n'ont pas essayé. Ces négationnistes ont dû laisser Jovenel quitter serment le 7 juillet 2017 comme 58e président constitutionnel d'Haïti pour un mandat de 5 ans qui prendrait fin le 7 février 2022. Malgré tout, ces mêmes éléments ont refusé d'accepter les résultats des élections et ont promis de mettre le pays à feu et à sang. En 4 ans et demi, le président a dû faire face à 8 tentatives de coup d'État, des blocages institutionnels de toutes sortes. En 2019, avec l'aide des gangs, ils ont attaqué le Sénat de la République pour empêcher le vote et la ratification du gouvernement et la loi électorale sous l'œil passif des Nations Unies, l'ONU, créées pour supporter la démocratie. Plusieurs autres attaques similaires avec l'aide des gangs contre les institutions démocratiques se sont tenues. La justice et la police ont été attaquées. Toutes les institutions représentant le fondement de l'État démocratique subissent la violence des gangs
conduit par un secteur politique avec une mobilité internationale dont les intérêts économiques étaient menacés. À la base de ces attaques contre la démocratie et le gouvernement constitutionnel se trouvent des réformes économiques entamées par l'administration de Jovenel Moïse. Depuis 35 ans, l'État a été capturé par des oligarques corrompus d'Haïti, qui contrôlent aussi le secteur bancaire et l'ensemble des monopoles commerciaux. Dans ce système établi, l'État et le peuple étaient systématiquement pillés. Les réformes entamées par le président Jovenel Moïse ont touché l'électricité, l'achat et la vente de produits pétroliers, le secteur bancaire, la construction des routes, des ponts et autres infrastructures, les contrats de l'administration publique, etc. Le livre qui vient de paraître sur Jovenel Moïse, le rêve assassiné, donne une idée de ces réformes et des défis affrontés. Mais plus de 4 milliards de dollars américains de corruption ont été bloqués par le président Jovenel. Effectivement, en 2015, Jocelyne Brivère, pendant tout temps qu'il était gagné sous pouvoir, pendant le gagné pour le président, pour le qui mettait le pays pendant 4 mois pour le faire élection, eh bien, les VOB organisés ont fait 1 an. Pendant 1 an, il a signé un contrat pour plus passer 4 milliards de dollars américains engagés l'État. Jovenel Moïse vini, il a coupé, il a dit ça, son méchanceté, son crime contre l'humanité. Et ça, il n'est pas possible. Quelque chose, ça coûte dans la ville, mais là pour retirer ça, pour les Haïtiens, là, ne pas nier pays de comme ça, la fait comme ça pour l'autre direction. Mais justement, c'est de ça que, et Ossène a parlé là pour le moment. On continue d'attendre. Après une campagne menée adroitement par des firmes de relations publiques et de lobbying étrangères, payées par les oligarques, pour salir son caractère dans les grands couloirs internationaux. Et l'opinion publique, le président Jovenel Moïse a été assassiné en sa résidence le 7 juillet 2021 par des soldats colombiens qui se sont fait passer pour des agents de la CIA des États-Unis. Ce jour-là, j'ai reçu plusieurs balles et les assassins m'ont laissé pour moi. C'est un miracle du grand architecte. Est-ce que nous entendons? Il recevait un pile cartouche, assassin le quittait comme un monde qui mourit, parce qu'il pensait qu'il mourit. Et normalement, pour yon, tu es mourir, mesdames, et pour tout, ou ne pas tap ka vivre, mais justement, pour ça qui a guidé nous, mission que nous mené, il peut être fini, il peut continuer. Et nous pouvons avoir un résultat, c'est une bataille qu'on a bataille. Faut écouter là. Et moi pas sur côté tout. C'est pas volonté qui faut là. C'est pas volonté qui faut là. Mais justement, on continue la bataille. Madame la première dame, on avance. Je sois vivante aujourd'hui. Suite à leur campagne d'assassinat de caractère, les oligarques s'attendaient à ce que le peuple célèbre l'exécution du président. Ils ont eu la surprise de leur vie. C'est notre peuple qui, comprenant les enjeux de ces réformes, a pris l'herbe le 7 juillet 2021 et a capturé les soldats colombiens. Ce jour-là, c'était également mis à la recherche des oligarques qui ont commandité ce crime. Entre-temps, les gangs continuent à proliférer, à conquérir notre territoire, terrorisant la population. L'insécurité est généralisée. La hausse des prix du carburant est également s'arrêtée, paralyse toute la vie nationale. La flambée des prix de première nécessité entraîne l'insécurité alimentaire pour la famille. Ce tableau sombre fait présager de grandes menaces pour la santé globale de la population. 16 mois après, malgré la propagande post-opérationnelle pour brouiller les pistes sur les origines de l'assassinat, le peuple est resté déterminé dans sa quête de justice. Ce crime a provoqué un pourrissement total de l'environnement économique,
sociale et politique. 16 mois après, plusieurs questions méritent d'être élucidées. Quel secteur corrompu a utilisé l'accord de sécurité signé le 17 octobre 1997 entre le président haïtien Winnie Préval et la secrétaire d'État américaine Madeleine Albright pour infiltrer la police haïtienne, utilisant la dénomination d'IED et assassiner le 58e président constitutionnel d'Haïti? Pourquoi, malgré deux enquêtes officielles de l'État d'Haïti, de l'État d'Haïti, le 19 juillet et le 3 août 2021, ce refus jusqu'à présent systématique du secrétariat général des Nations Unies de nommer un tribunal spécial pour enquêter sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, comme ce fut le cas pour l'assassinat du premier ministre du Liban, Rafik Hariri. Est-ce du racisme systémique qui bloque cette décision? D'ailleurs, la lettre du département d'État au Congrès des États-Unis démontre les difficultés de la justice haïtienne à mener cette enquête à bon port. Au nom de la justice, de la stabilité politique et de l'avenir de la démocratie en Haïti, le Conseil de sécurité devrait agir et nommer ce tribunal pour enquêter sur l'assassinat. Pourquoi les oligarques corrompus d'Haïti, maîtres des gangs de la violence politique, commanditaires de l'assassinat du président, sont-ils protégés? Pourquoi ne sont-ils pas les principales cibles de sanctions de la résolution 2653? Est-ce du racisme systémique? Pourquoi, suite à un pressement vers une intervention militaire étrangère que le peuple haïtien rejette vaillamment? Pourquoi ce refus de renforcer la police et l'armée d'Haïti depuis 6 ans, alors que la communauté internationale avait aidé à la construction d'une armée au Kosovo? Pourquoi pas Haïti? Est-ce encore du racisme systémique? Pourquoi le secrétaire général des Nations Unies n'a toujours pas respecté les promesses de payer des réparations aux 10 800 familles haïtiennes tuées par le choléra amené par les Nations Unies en Haïti en novembre 2010? Est-ce du racisme systémique? Pourquoi les Nations Unies encouragent l'organisation des élections en Haïti pour retourner le pays à l'ordre constitutionnel? Pourquoi les Nations Unies soutiennent-ils un gouvernement impliqué, selon les enquêtes préliminaires, de l'assassinat du président Jovenel Moïse et de la sponsorisation des gangs? La stabilité est le premier des biens publics. Pour qu'Haïti retourne véritablement à la stabilité, il faudrait sanctionner les oligarques et leurs alliés impliqués dans les gangs, la corruption, le trafic de la drogue, des armes et l'assassinat du président. Arrêter ces initiatives pour ouvrir les portes du pouvoir de transition à des politiciens qui veulent diriger le pays sans aller aux élections. Avec cette approche, c'est une catastrophe permanente à subir. Demander aux politiciens de se préparer pour des élections au lieu d'organiser des tentatives de coup d'État. Renforcer le contrôle des ports, aéroports, frontières, en vue de limiter le flot d'armes et de munitions qui rentrent dans le pays. Parce que les 16 armes et cette munition ne sont pas produites en Haïti. Aider à l'émergence de gouvernements inclusifs, représentatifs, conformément à l'article 149 de notre Constitution, former de nouveaux premiers ministres et de 18 ministres sur une liste de 20 personnalités, un homme et une femme par département, émanant des 10 départements géographiques du pays.
Voilà. Merci en pile et bravo, Madame la Première Dame et Madame Mathy Moïse, gouvernement départemental en général. Bravo. Un homme et une femme par département. OK? Y compris la diaspora haïtienne a représenté le gouvernement. OK? Dans 9 départements dans le pays d'Haïti. Dans 10 départements, pardon. A gagné. Alors, 2 personnes ont sorti dans chaque département. La ville fait 20 personnes. A gagné 2 autres personnes qui sont disponibles pour prendre des postes. Et puis, diaspora a représenté dans le gouvernement tout. C'est un bel en pile. Je dis bravo. Busta John, bravo. Jimmy, bravo. Madame Sarah, bravo. Foucault Tax 69, bravo. Stanley Lucas, qui parlait de ça en pile tout. Madame Beata Prosper, comité 100% diaspora. Et Rosemont Jean, toute équipe, Boussa John TV, nous saluons. Parce que nous prouvons que nous sommes des gens qui ont réfléchi pour le pays. Nous sommes des gens qui ont bataillé pour le pays. Et m'a dit non, un bon côté non. Un bon côté non parce que moi ouais définitivement c'est bataille pays que n'a fait. Et moi mais nous en pile. Encore une fois, peuple haïtien, bataille l'a continué. Moun nous soutenons de là, li rele Martine Moïse, ancienne première dame de la République d'Haïti. Sac pas content embarqué. Sac de fête là. La fête par n'importe qui moyen. Parce que fuck Haïti sorti dans la situation qu'il trouve là pour le moment. Fuck pays, fuck peuple ça, fuck nation ça, sorti dans la douleur ça, dans la calamité ça, qui a passé depuis plusieurs années dans le pays un peu haïtien. Fuck nous continuer goumen. Goumen pour nous éradiquer groupe criminel ça yo. Coalition d'assassins qui prend pays ça en otage définitivement. En nous goumen pour nous éradiquer yo en dedans pays. Je suis bien content tant des premières dames et me sûr que nous bien content d'entendre le tout parce que c'est très très important. Là nous fin tant des premières dames cap adresser pour phénomène gang. Et ben faut que nous tant des pays pour te qui c'est président Jovenel Moïse tout. Nous pas dans deux secoler à personne. Qui n'a zak insécurité à violence en la pays. Dossier insécurité, ça, tout le monde dit, c'est un coup tout le monde dit, dossier insécurité, c'est qu'on y a. Même les rappeler tout le monde. Pays a entré dans un cycle infernal. Depuis, je dirais, 18 dernières années, un cycle infernal d'insécurité. Et ce cycle, ça, mettez-nous nos situations, côté chaque temps, nous obligés à bégayer du feu. Nous songeons 2005, conseil de nous qui te fait la pluie et le beau temps. Par exemple, Amaral, Dédouilmé, et 26 couteaux, Rennes-Sonnet, côté, je vous dis. Moi, c'est eux-mêmes. Ils sont là. Et la police à côté, la police est toujours là. Au contraire, la police a renforcé. En 2005, la police a peut-être bien 3 000 personnes, je vous dis, bien 14 000, ou presque 15 000 personnes. La police en 2005 pas de bon grain de vendre. Je dis à une quinzaine, ou disons une vingtaine, entre ça neuf et ça qui usé. La police n'a pas de bien des unités spécialisées qui ont fait des opérations au moment opportun dans des zones qui sont difficiles. Je dis à la police là, lui, commencer à doter tête des unités qui sont capables de permettre de rentrer des côtés difficiles et pour mettre l'ordre dans des zones. L'homme monté président, déconseillé de non tout en 2017. Donc, vous me connaissez, dans la zone Matissan, vous avez été calé, Anel. Dans la zone Tirivelle de la Tibonite, Audemars. Dans la zone Cité Soleil, Timga. Dans la zone la Tibonite, Canal Divan. Côté vous. Vous pas là. 2017, côté la police là, toujours là. La police là, renforcée. Et c'est pour me dire aujourd'hui, je profite de l'occasion pour me dire chaque Haïtien, chaque Haïtien qui a tendu là. Pas de personne qui peut venir devant le peuple ou bon pouvoir dans le même. Et puis, je dis à Koutenan, tête et langue à Bandi. Moi-même, je fais campagne pendant 22 mois dans le pays. C'était candidat qui était dans la campagne qui n'a pas de violence du tout là-dedans.
c'était pas l'aide de Konbalé, son discours que nous avons gagné, et c'était pour ça que la population a été votée. Je dis à dossier insécurité, je nous dis, c'est pas un dossier, je dis, son dossier qui date, j'en lis à deux, environ 20 ans, pour ne plus préciser, 18 ans, et c'est pour ça, je profite de l'occasion pour me dire tout acteur, acteur qui était un phénomène ça depuis l'aide de commencer, je voulais parler de l'international, je voulais parler de gouvernement, ça veut dire moi-même comme chef de l'État, premier ministre qui l'a, avec tout mon gouvernement. Je voulais parler de secteur privé. Nous tous ensemble qui te mettez main, je voulais parler de politiciens, yo. Qui te mettez main, qui te fait nous te joindre, un mot sur la paix. Allez, oui, président. Président Jovenel Moïse a parlé là, le 20 juin 2021. 16 à 17 jours après, il a été assassiné en dedans chambre. Et c'est le dernier discours officiel du président Jovenel Moïse dans la Cour Palais National. Dimitri Radedo là, Jean Lagel Civil là, tout un policier qui livre lui, il y a un espace là. Oh l'éternel. Aïe, caramba. On continue. Mais qui va durer. Je dis, il faut nous commencer à mettre les mains pour nous commencer à réfléchir à la paix. On l'autre gens. Parce que nous songeons, après l'opération Bagdad, nous devenons artistes pour la paix. Mais est-ce qu'artistes pour la paix, ben nous, ça nous souhaite? Non. Ça veut dire, après, nous devenons CNDDR, Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réinsertion. Moi-même, ça y a 27 mois, moi, mettre la commission ça quand camper tout. Est-ce que je dis, me dit que commission résultat que me t'attend dans ces limjoine? Non. C'est pour me dire que problème insécurité a, les plus profonds, problème violence qui gagne dans Port-au-Prince là. Les plus profonds que gens nous mène à réfléchir là. C'est pour ça que je dis hein, mandé communauté internationale là qui t'a supporté problème ça de 2004 pour arriver jusqu'en 2017. Je voulais clair pour tout le monde dit que me dit c'est pour le ministre tournant encore. T'as les m'attendre, c'est ça, me dit. Non, ce n'est pas le ministre. Moi, je dis communauté internationale. Engagement qui pour prendre ensemble avec la police nationale qui aujourd'hui a nous police nationale qui gagne près de 15 000 personnes là-dedans. Engagement qui pour prendre avec autorité établie pour nous capables, genre, nous te commencer à faire dans moi masse. Et bien résultat, nous commençons à jouer, par exemple, dans l'importation de munitions dans le pays. Jean nous demandait que les amis nous, pays les États-Unis, aider nous pour nous, chaque temps nous avons un bon municipe qui, avec balle, avec ZAM, non, ça que lui importe, pour permettre nous capables de remonter la filière moun sa, jusqu'à côté de moun, moun qui te blété dans le conteneur. Ça a commencé par le résultat. Il faut me dire que les affaires munitions ont commencé à venir plus difficile. Pour bandi aujourd'hui. Et il faut continuer sur lancer ça. Moun qui comprennent qu'il y a un commerce munitions dans le pays, c'est pour que la police, lui-même, tout service, nous mettons ensemble, nous font seul qui pour permettre que nous arrivions sur eux. Pour gens, nous connaissons, il y a des gens qui sont en prison. Nous entendons des rumeurs, parce que même si c'est des rumeurs que vous voyez, parce que jusqu'à présent, comme président, nous ne pouvons pas recevoir un document formel. Ni une liste qui dit. Même on a bonnes armes dans le pays, même on a bonnes munitions dans le pays. Mandé ministre justice, s'il vous plaît, il dit non, juste, il n'est pas vous plaît. Il entendait ça, te parler dans la radio. C'est pour me dire tout le monde aujourd'hui, nous-mêmes, nous ne parlons pas de coller à personne qui n'a pas d'insécurité et de violence dans le pays. Je profite de l'occasion encore, j'aime commencer pour me voir sympathie par tous les policiers, par tous les parents victimes, pour me dire que, on l'autre fois encore, la police l'a frappé, mais nous pas qu'à courir, nous pas qu'à faire bac. La police l'a aujourd'hui, n'a pas goumé pour nous renforcer, pour permettre pour nous camper goumé avec les gens qui comprennent, qui mettent dans des routes. La police, c'est quoi légal que nous avons dans le pays, c'est nous-mêmes nous là pour nous renforcer, et c'est pour nous continuer à faire. J'ai instruction passée à premier ministre qui l'a, directeur général police, quel que soit ça. La police a besoin. Je connais qu'il y a un pile de problèmes, un pile de déficit, un pile de besoin pour le travail.
pour faire face à un moment ça, il y a un problème, il n'y a pas sur place. Et ma demande des policiers, je connais rien de commande qui te fait, pour qui ça commande ça, il faut arriver. Si on côté ça, avion pour prendre, l'État, c'est pour le prendre charge qui pour payer pour être capable de transporter, pour arriver, pour venir, en support pour la police là, parce que les bandits déclarent la police la guerre, son seul choix que la police vient, c'est faire la guerre avec eux. Évidemment. Et nous-mêmes, au plus haut niveau de l'État, moi je dis, nous sommes comme la justice, cette femme aux yeux bandés, nous là, pour nous supporter la police là, à 100%, pour nous capables de dire, je dis à bandits, ils n'ont pas qu'à continuer à faire chemin encore. Route barrée tout côté, en bas la ville là. Je connais que la police actuellement a fait opération Kounia, et me félicite pour ça, et connais que nous derrière, nous ne pouvons jamais blaguer, nous ne pouvons pas camper pour nous garder les bandits qui ont pris le pays. Les gens qui sont déplacés, nous avons presque plus de 3000 personnes qui sont déplacées dans la zone Matissan qui sont dans Kafou. Nous avons plus de 2 milliers de personnes qui sont déplacées qui sont dans la zone Badelma. Je demande la protection civile, FAES, pour le ministre qui est là, jeudi, dimanche quand même, pour une réunion d'urgence qui fait pour que les gens ne nous pas quitter. Côté eux et à ton coup de petit misangado. PM, faut nous réunir avec nous, ministre Affaires sociales là, rapidement, pour nous pour faire une réunion, pour nous équiper une bonne manière, pour nous venir en support à Mounsayo. Mais Mounsayo m'a dit, l'État n'a pas campé garder, la police a travaillé pour retourner la caille. Parce que pas de personne qui a campé pour. Mettez-vous dehors, je nous dis là, la vie bandit, c'est coûte que ça dure. Je dis à Femme, 4 mois, sous pouvoir, nous sommes cités avec nous, 5 têtes de série. Et vous mettez sur une deuxième division, tout vous, une troisième division. Mais ça, c'est tête de série. Vous n'êtes pas là. Mais vous même je dis à vous, vous prenez place tête de série, vous ne parlez pas là tout. Même j'avais ça pas là, de 2017 à aujourd'hui. Vous ne parlez pas là. Ce n'est pas bien que la première deal, parce que nous, c'est haïtiens, c'est pour ça que nous mettons CNDD à ce pied. Pour nous déconner, pour nous suspendre. Qu'on est con nous avec la police qui se force légale de y rien. Depuis ce sous chemin ça nous est, nous prenons route pour nous balader et nous pas là. Bon nous avons garanti. Peuple là, continuez à faire confiance dans la police nationale là. Population avec police là c'est yon pour nous. Opération qui fait yo, ces derniers temps yo réussi. C'est la collaboration population avec la police qui fait yo réussi. Nous campons ferme derrière. Force de sécurité dans le pays. La médaille ici, je connais que la police, toujours parfois, à travers le chef CSPN, demande nos services pour nous faire couverture pour eux. Nous pas dans opération directe, mais nous-mêmes, tout, pour ce point être nous, parce que depuis nous avons fait choix, même si je dis, c'est peut-être 500 ou 600 militaires qui sont dans le pays, mais pas rien fait bac. Tout ce point être nous, le policier au devant, yo même les gens nous derrière, les gens vivent derrière, c'est pour nous connaître, pour nous là. C'est pour nous battre ensemble avec eux, pour nous mettre la paix, pour que la sérénité tourne dans la famille, pour que le monde tourne vivre tranquillement dans le quartier. Exactement, cette déclaration et ancien président pays, président que Reginald Boulos paye l'argent pour l'assassinat. Président que Dimitri Vop dépensé des millions de dollars américains pour l'assassinat. Président que Edouard Bossan dépensé des millions de dollars américains pour l'assassinat. Président les Zulu corrompu en général, mettait dépensé toute qualité gros cob pour assassiner l'un. C'était exactement l'étape parlé là. Non, c'est président Jovenel Moïse que nous ne pouvons jamais oublier, peuple haïtien. Je dis à côté président Jovenel Moïse, il est en bataille. Côté Boulos, la vive dans le pays côté la vive là. Côté président Jovenel Moïse, li en bataille. Côté Dimitri Vob, la vive aux États-Unis d'Amérique, la joué casino, exactement dans Hard Rock, dans Miami, Florida, la prend plaisir, la prend l'école, la prend l'échelle belle. Mais espère que chaque gang dans nous assume responsabilité nous pour nous battre contre criminels, contre gangs, contre assassins, pour un jour, nous avons gagné liberté nous dans le pays. Parce que Haïti, qui nous est là, il y a besoin de monde qui pas peur mourir, de monde qui pas peur bataille, de monde qui pas peur tout. Rivé sous des criminels, notoires, sous des assassins, pour que nous baille pays ça, yon bourrade définitivement. Jodi, nous exactement, et 18 novembre 1803, et la bataille de Vétière,
Et je dis, nous perdu tout ça honnête. Nous n'avons pas gagné que nous dans le pays d'Haïti. Et bataille de Vertière. Et nous n'avons pas gagné, pas qu'à fêter. Haïti était qu'on motivé longtemps. Mais pour le moment, qui motivation a gagné? Qui levé quand pour gagner? Qui. Mais comme si. Deux matchs qu'a fait pour fêter ça, fêter. Pour le moment, ça fêter dans le pays d'Haïti, pour le célébrer. Il n'y a pas qu'à célébrer parce que nous avons des criminels notoires qui cassent toute date ça honnête. Et qui est sué, c'est Mounsa qui prend le pouvoir. Après, au fin tout le président PIA, qui est le président Jovenel Moïse. Je vous dis encore une fois, je dis à chaque grand haïtien, mettez-moi dans la patte là. Mettez-moi dans la patte là, pas suspendre la bataille, parce que un jour, nous sommes capables de délivrer le pays d'Haïti. On nous finit, définitivement, on nous finit avec Évalier Beauplan. Entendez ça, entendez-moi. Pendant le pays local, Jovenel Moïse est notre femme. Il va me dire que je vais dans l'Ordre, c'est bon. Moi, avant, pas de arriver là. Ou c'est dans l'Ordre, c'est pareil. Mais faire certains nègres, il faut participer dans le fermé. Pour voir la même. Vous avez besoin de mettre ma genou, ma genou. C'est vous qui avez parlé pour le faire. Quelle humilité. Je me dis, monsieur, ça me fait président. Monsieur, prêt pour me battre 95% pour voir. Parler avec vous pour moi. La petite histoire devient la grande histoire sur le plan. Bon, parler avec vous pour moi. Ils me font mon 30 à 40 secondes, je vais. Monsieur dit, où est le téléphone? Je me dis, président. Je dis, président, je vais faire un bagaille. Que ma chambre dit là. Ne vous pas croire que. Moi, je vais vous parler ça sur une question. Je vais vous appeler. Je vais inviter tous les amis. Mais là, quand même, nous sommes ensemble. Je dis, monsieur, je suis obligé de mettre le président sur le speakerphone pour me faire le message. Mais ça, qu'est-ce qui était là? Donc, je vais l'inviter. Vous connaissez. Depuis, je me dis, vous connaissez les grands ténors de l'opposition. Tout le monde a dit, président Jovenel. Et, vos plumes avec papier dans mes nez, il y a mis des questions pour me poser. Et tout le monde a dit. Quelles questions sont déposées? Je dis, président. Tout le monde dit c'est ma toy. Qui garantit que si au moins nous rétractons, si au moins nous obtempérons, que va marcher dans le chip là. Ça veut dire que je dis, nous jouons l'avocat, nous sommes de même côté. Nous ne pouvons pas croiser avec l'opposition, nous ne pouvons pas croiser avec vous. Nous ne pouvons pas croiser dans notre dossier. Fais ça pour moi. Et il est entré dans le pitié. Et il dit, monsieur, nous avons deux choix. Si nous ne pas accepter de marcher, monsieur a fait une violence qu'on a. Parce que monsieur est à cause de son couleuvre qui est dans tout lit. Et il peut se sortir, nous n'avons pas chance de sortir. Et il me dit, monsieur, mais qui garde ce gain puisque c'est l'international à sommet? Monsieur dit, on ne met pas là avec qui on met contact. Vous comment ça passe? Dernier appel à Jovenel, monsieur finit de tourner. 10 minutes après, je viens parler avec l'international lui-même. Je suis le président au téléphone, il dit, bien sûr, je vais toucher celui par le téléphone. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il me dit, mais ça dit, ok, nous derrière ça le sous là. Moi, il dit l'opposition encore. C'était l'ambassadeur de Téléo. Moi, j'ai mis au nom de qui est-ce que je parle. Je suis encore dit la parole au nom de toutes les missions diplomatiques. Pause. C'est plus jeune. Sénateur, pause. C'est-à-dire que le président Jovenel était prêt. Prêt. C'est-à-dire le c'est problème, pas vrai, le problème. En plus, il avait envie, pas mal entendu, mais il était prêt. Il est là pour parler la vérité. Il était prêt. Le problème n'était jamais le président Jovenel Moïse, mais l'opposition. Il était prêt. Non, on va dire son vecté. Le problème était l'opposition. Le problème est l'opposition, pas 40 ans. Ils ont demandé pour moi, ambassadeur. Ils ont pensé qui à la base du problème là. Séance de l'autre, moi, l'ambassadeur, moi, les sections politiques là. Il me dit, moi, je veux rencontrer l'ambassadeur. Il me dit, moi, sénateur, c'est difficile, donc il y a urgence. Il y a eu l'ambassadeur, on mettait le soleil là. L'ambassadeur, Évalier, c'est comme ça. L'ambassadeur, Évalier, dis-moi. Il dit, voilà, il y a urgence pour que moi, rencontre. Il dit, Évalier, viens chez moi, vendredi. Et l'opposition, vous cherchez quoi alors? C'est ça le problème. Et je dis à ces gens, le problème que moi, je devine guerre avec l'opposition. Et ni moi, ni qui l'imagine. Une autre petite question que vous avez posée. Il dit que le président Jovenel a accepté pour le bar ou même, ou bien sénateur Philippe Bastien. Ça, c'est dans des moments. Je ne parle pas de l'opinion. Et puis, l'ambassadeur, pour qu'il me finisse ça, une seconde. L'ambassadeur a invité la Cadivan de Dieu. Il dit me finir seul. Parce que mon langage diplomatique, vous ne voulez pas l'avoir. Je n'ai pas laissé autant d'île. D'arriver, nous, je ne suis pas là. Question de culture diplomatique. Monsieur, il dit Évalier, laisse-moi te dire. Est-ce qu'on connaît. En pile dans notre élection, bon, oui. C'est l'élection ça a accouché Jovenel, oui. Est-ce qu'on pensait nous-mêmes encore qu'à dire même élection ça n'a pas bon, Jovenel pas bon? Il y a des pays, hein? Il dit non, bah quoi. Il dit, mais maintenant, bah, tout le monde n'a pas pu sortir. Accepter, dit la Jovenel, et que l'international a sorti honorablement, ou a sorti honorablement, et puis Jovenel a sorti. Il dit, bah, quand il est sur sa tête, il dit, prends le téléphone, il faut Yuclo avec un collègue, fais Yuclo avec le téléphone, il va marcher. Il dit si que on accepte de marcher, ma fait Jovenel venir là qu'on a pour même avec Jovenel quoi au nom de l'opposition. Ce qui n'a pas d'habilité à faire. C'est-à-dire que l'opposition, hein,
pas d'accord pour faire ça. Madame, j'étais monsieur, monsieur a tombé quand même. C'est ton illusion, monsieur a tombé quand même. Nous mettons continuer de peser, monsieur a tombé quand même. Donc nous passons 3 mois à payer l'autre comme ça. Nous, on est là. Et puis, finalement, en 2019, après un pile échec, que chaque fois que je fais ça en réalité, je ne vais pas avoir des parce que je suis monté au congrès américain, dans le Sénat américain, de tous côtés. Je parlé, je porté des messages, dans toute ambassade, je porté des messages. Je me suis dit, il faut me jouer une entente. Il faut me rentrer dans un dialogue. Il n'y a pas qu'à aller comme président pour mettre l'eau comme civil. Mais non, finalement, le Macaba, 2019 en décembre, je m'ai invité toute opposition à la Macaba. Maintenant, je m'ai dit toute opposition tout pour me connaître. Dire board. Non, pas dire board. Les femmes de la SCP. C'est que démocratique et populaire. Les plus importants, les dirigeants, je dis, monsieur, on dit non. La font route ensemble. Nous sommes les guettois facettes. Nous avons facettes diplomatiques. Je me suspecte qu'on a fait échouer sur le terrain diplomatique. Là. Nous avons facettes politiques. Je viens de croire que nous avons presque échoué sur lui. Nous avons une grande bagaille que nous avons là avec nous, facettes militants. Si je m'abandonne la bataille à Nabdine Drahi, je m'abrite dans la route là avec nous pour me faire preuve de fidélité, même quand on est ma perdu. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu fais silence? Bien sûr, je viens de croire que je perdu parce que ça n'a fait là, il n'y a pas dans aucun livre de sens politique. Nous posons une question, sénateur Evalé à Beauplan. Et vous-même, qui savez chercher? Vous pensez peut-être son illusion, vous tout ça déjà. Je ne sais pas méchant. Vous pensez que je vais tomber. Capitulation totale là. C'est que je vais tomber. Moi, en dans mon diplomatie, je ne pas quand je vais tomber. Bon, me posons une question directement. Et maintenant que je vais tomber, vous encore dans la rue. C'est ça? Voilà, c'est ça pour être des illusions. Vous ne même parler pour absorber méchant. Assassinat, président Jovenel Moïse. Evalé à Beauplan. Nèg Nord-Ouest. Jovenel Moïse, Nèg Nord-Ouest. Peuple haïtien, Evalé Beauplan, c'est un homme qui a sauvé la vie, président Jovenel Moïse. N'a pas comprendre plus dans l'autre émission. Nous devons finir comme ça. Moi, je vais nous appeler pour patience, nous. Pour l'amour que nous développons, pour la plateforme, ça, pour le travail ça, que nous toujours fait pour vous. Kembe là. Je vais vous rendez-vous après-midi, 6h PM. Nous avons le principe là déjà. En pile parole pour parler. Info bientôt. Zami Panon. Kembe là, pas la guerre.